Bonjour. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est comme le Babybel, je crois que c'est mon deuxième préféré tour que je fais le plus souvent et depuis des années et des années. C'est tout ce qu'on peut faire voler. Voler une bague, voler un bouchon, voler une capsule, tout ce qu'on trouve sur les tables. On arrive même à faire voler par exemple des toupies. Donc, quand vous voyez la toupie qui se met en lévitation comme ça entre dans les airs devant les gens, c'est énorme. Les hand spinners, alors ça c'est la mode maintenant. Donc on arrive aussi à faire voler des hand spinners, et ça je vous montrerai et je vous expliquerai comment. Et tous ces effets d'objets qui volent, c'est comme si vous disiez à quelqu'un, je claque des doigts, je pars sur la lune. C'est exactement le même effet. C'est un truc impensable. Un objet ne peut pas voler. On sait que la gravité fait qu'on est obligé de tomber. Et vous montrer qu'il n'y a rien dessous, qu'il n'y a rien de comme ça de tous les côtés, et vous montrer que l'objet vole sous leurs yeux, et en plus leur propre objet, parce que vous empruntez leur bague. Et ça, je vous garantis, c'est. Il n'y a pas besoin de vous le dire, faire voler un objet c'est sans énergie, sans rien, c'est énorme. Donc ça plaît énormément. Il y a des petites contraintes, mais une fois que vous savez comment utiliser tous ces objets, moi au début ça marchait pas, ou il y avait des petits trucs qui allaient pas, et au fur et à mesure que je le fais maintenant, je le fais quasiment tous les jours, et j'y suis habitué, et c'est vraiment que du bonheur. Donc faire voler un objet, que ce soit une bague ou n'importe quel objet qui se trouve sur les tables, ça c'est énorme. Je vous garantis, prenez-le, faites-le au moins une fois dans votre vie, vous verrez l'effet que ça fait, c'est trop bon. Vous pouvez faire voler une rose, après la transformer en une fleur, une vraie rose. Prendre une bague, la faire voler, la faire tomber sur le doigt. Alors, il y en a qui vont parler du tarantula. Tarantula fait exactement la même chose, mais le tarantula ne sert pas à faire voler une bague. Tarantula sert à faire rembobiner quelque chose. Donc, si vous n'avez pas de tarantula, vous allez faire exactement tous les mêmes effets. Sauf que tarantula, ça permet d'avoir l'objet pour le faire et qui apparaît, qui disparaît. C'est tout. Sans tarantula, vous pouvez faire exactement les mêmes tours. Donc, tarantula, ça sert juste à l'avoir tout le temps sur vous au moment voulu, d'une autre manière. C'est électronique, mais ça reste rien. Vous ferez pas plus de choses que si vous n'en avez pas. Donc, moi, dans cette vidéo, de la semaine, je vais vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on peut faire. Donc, on pourrait prendre un jeu de cartes et faire choisir une carte, la mettre dans le jeu. Vous tenez le jeu en main et la carte ressort tout seul. Ça, c'est Jérôme qui va vous l'expliquer. Vous prenez un jeu, vous le faites mélanger, vous faites choisir une carte, vous posez le jeu par terre et d'un seul coup, le jeu il s'ouvre, la carte elle sort et elle s'injecte du jeu alors que vous êtes à 1 mètre, 2 mètres du jeu, et la carte elle sort tout seul, c'est la carte du spectateur. On va vous montrer comment faire voler donc tous ces petits objets. Ça, c'est moi qui vais vous le montrer. Faire voler des hand spinners, des bagues, des bouchons, des charpies. Vous pouvez faire voler n'importe quoi, tout ce qui passe sous votre main. On va vous montrer toutes les techniques pour cacher ce qu'il faut cacher, comment le transporter avec des trucs tout nouveaux que personne ne connaît, comment transporter ce matériel et en avoir rapidement sur vous. Qu'est-ce qu'on va vous montrer? Je sais que Jérôme il a déjà fait toutes les vidéos, mais je ne me rappelle plus ce qu'il a fait en plus. Quelques petits tours de mentalisme avec cet objet. Donc, on va vous donner le maximum de choses qu'on peut faire avec ça. Comment le transporter, comment s'en servir, comment le masquer, comment être à l'aise. Voilà. Dans cette vidéo, tout sera dévoilé. Vous la frottez entre les doigts et ça vole. Et ça, c'est que du bonheur. Après, vous récupérez la bague, vous la frottez, vous la redonnez à votre spectateur. Voilà. Et on applaudit bien fort. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Disons, vous pouvez faire voler. On va vous montrer comment faire voler des objets de. Combien c'était ça? 60 grammes. 30 grammes. 30 grammes. Ça, c'était 10 grammes. Ça, c'est 3 grammes. Donc, on va vous montrer faire voler beaucoup d'objets, de plus léger à plus lourd. Plusieurs manières différentes. On peut pas faire voler la même chose ça et ça. Il faut changer d'objet, il faut changer de matériel.
Mais après, le principe restera toujours le même. Donc maintenant, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Merci.